vous allez bien? Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle mission de Midas. Donc, pour cette mission-là, il faudra aller dans le pass de combat, dans les agents, aller bien évidemment sur Midas. Et de là, donc, on aura la mission. Et la mission, c'est donc, moi, j'ai choisi Ombre, bien évidemment, vous pouvez choisir Fantôme, ça c'est à votre goût. Mais n'oubliez pas que c'est définitif, hein. Donc voilà, et donc la mission, ça sera livrer des armes légendaires dans les boîtes aux lettres, dans les boîtes de dépôt, pardon, de l'ombre. C'est quand même des boîtes aux lettres, donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite. Et c'est parti. Excusez-moi avant tout, il faut le faire en foire d'empoigne. Parce que ça sera plus simple pour vous de trouver comment je veux dire ça? Des munitions, des armes épiques pour les faire en légendaire, parce que donc en solo ou en duo ou en squad, c'est un peu plus compliqué d'en avoir. Enfin, soit. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, donc, pour cette mission, donc c'est pas compliqué, faut juste trouver donc des armes légendaires. Donc, on va aller où ce qu'on a été jusque maintenant, donc à Strémy. Donc, pour tous les agents, j'ai été là-bas. Donc on va y aller de suite. Par contre, ce qui est bien, c'est que en foire d'empoigne, vous avez directement 150 de toute construction. Donc comme ça, si vous trouvez une armée épique pour la faire en légendaire, ça va déjà plus vite. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé une arme légendaire ou épique pour vous montrer. Donc voilà, j'ai trouvé deux armes légendaires. J'ai eu de la chance, comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile en foire d'empoigne, hein. Parce que donc de vue en foire d'empoigne, vous avez plus vite trouvé des épiques et des légendaires, pardon, que en partie normale. Donc ici, on se dirige donc vers. Attendez, c'est la noire qu'il me faut. Ouais, c'est la noire. Donc il y a l'ombre. Ouais, le fantôme. Donc elle est là. Et normalement, si je me trompe pas, l'ombre. Elle doit être. Voilà, elle est ici. Voilà, elle est près du M en fait, celle de l'ombre. Donc vous donnez vos deux armes. Hop. Et voilà, votre mission sera faite. Et donc vous allez avoir. Moi je l'ai pris en ombre, mais donc ça dépend de comment vous allez le prendre. Et donc soit ça sera ombre, ou soit ça sera fantôme. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera donc pour vos missions. N'oubliez pas de la commenter, de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification. N'oubliez pas le petit concours à 250 abonnés. Je fais gagner. Donc je vais faire un concours, donc il y aura une petite surprise. Et voilà, donc j'espère vraiment que tout ça vous aura plu. Et encore une fois, restez bien chez vous. Gros bisous à tous!